Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Dans cette vidéo on va faire de l'élevage d'abeilles. On va devenir apiculteur, voilà. Donc on va essayer de pas trop se faire attaquer. Et puis comme vous le savez les abeilles c'est hyper rare. Les ruches, il y a 5% de chance d'en trouver dans des arbres. Donc là on va pas passer 2 heures à en trouver. Ne vous inquiétez pas, je les ai déjà trouvées. C'est voilà, j'ai passé bien, ouais, 1 heure à chercher dans des biomes fleuris en créatif survival pour réussir à en trouver. Et j'en ai enfin trouvé, donc là j'ai trouvé 2 ruches. Il y en a peut-être d'autres, hein. Je suis dans une sorte de biome fleuri, regardez. Donc, c'est parti, on lance la map. On est tranquille et là il y a une magnifique ruche. On va casser évidemment et voilà, c'est un peu fleuri. Et juste en haut là il y a aussi une autruche et je pense qu'on va en trouver d'autres, hein. Voilà, elle est là l'autruche. Donc là on est vraiment sur un très très bon spawn parce que on a les ruches, voilà, et puis il y a un village juste à côté, même si en réalité c'est pas le spawn, hein. Je suis arrivé jusqu'à là en cherchant des ruches. Donc ce que je propose là c'est qu'on voilà, on fasse notre maison en fait à côté des ruches carrément, et on va aller vers le village aussi pour récupérer des trucs et on reviendra là simplement. Donc on va récupérer un peu de bois pour commencer et ensuite on essaiera de regrouper les 2 ruches ensemble, parce que est-ce que c'est avec l'enchantement touché de soi qu'on peut récupérer les ruches, ou est-ce qu'on peut les récupérer à la main et se faire attaquer? Je sais vraiment pas là. J'ai pas envie de prendre de risques, mais il faudra bien prendre de risques pour une des 2 ruches. Plus que génial, parce qu'il y a des fleurs, donc on va pouvoir les nourrir, hein, sans problème. Et il faut miner aussi du fer là. On va se dépêcher. Hein. Ah, regardez, il y a une petite abeille. Oh, la butine. Oh, c'est magnifique. Voilà, donc là je pense qu'on a assez de choses. On va vite se dépêcher. Ok, on va déjà commencer par une pioche. Hein. Une pioche en bois. Et on va miner en fait sous la montagne. Quoi. Ok, donc on va descendre. On est au paradis là, vous voyez, il y a plein de fleurs partout. Je suis sûr que même ici il y a des ruches. Oh, non, je pense pas. C'est tellement rare. Sérieux, déjà d'en trouver 2, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Dites-moi en commentaire ceux qui jouent à Minecraft si vous avez trouvé facilement vos ruches ou vous les avez toujours pas trouvées ou voilà. Donc là, on a des petites ruches. Oh, on peut se regarder. Il y a du miel. La ruche est pleine. Donc on va pouvoir récupérer avec une sorte de. Vous savez, les ciseaux bizarres là. Voilà. Il faut du fer pour ça. Donc là, il faut vraiment du fer. Et en plus, on va avoir du miel. On va pouvoir créer nos propres ruches à nous. Ça va juste être génial. Donc là, trop bien. On va juste tuer cette vache pour la nourriture. Ok, go. Donc on va miner juste là. Voilà, on va faire une sorte de petit trou. Ça va servir de maison aussi, hein. Alors, nous, on vit sous terre. Donc faut qu'on trouve du charbon et du fer, tout simplement. Ok, on commence bien avec du charbon, donc ça c'est cool. Il nous manquera plus que le fer et là on sera pareil, hein, tout simplement. Il y a plein de charbon là, c'est bon. On est vraiment tranquille. Hein. Oui, quand même, l'élevage d'abeilles c'est compliqué. Hein. Déjà les trouver, ensuite avoir le bon équipement. Voilà, le plus dur c'est surtout les trouver, hein, parce que l'équipement encore ça va, c'est pas trop compliqué le fer. Faut juste un peu miner quoi. Il y a du fer, yes. Ok, donc on remonte jusqu'à juste après avoir trouvé les zombies là. Ouais, c'est un donjon. Obligé, c'est un donjon. C'est un donjon, mais où est-il? Oh là là, mais il est où? C'est pas possible. Allez, jouez pas cache-cache là. Oh, mais j'y tiens vraiment à le trouver là. Ah, la solution là serait d'utiliser la TNT. C'est encore du fer, ça c'est vraiment cool. Attendez, on va se recrafter une pioche. Bien, on va revenir là-bas. Et donc là, on les réentend. Non, ils sont là. Oui. Ils sont là. C'est obligé. J'en suis sûr, ils sont là. Oui, cette terre là, ça me rappelle le truc des donjons. Je vais pas laisser tomber le donjon là. Non, mais oui, la terre et tout là, c'est obligé. C'était pas du tout un donjon. Attendez, mais si, je suis sûr qu'il y avait un donjon. Parce qu'on n'entendait pas les creepers, donc j'ai combien de fer là? J'ai 13 blocs. De toute façon, on va pas faire une aventure pour récupérer du fer, donc... Allez, on remonte. Tiens, d'ailleurs, je vous l'avais même pas dit, pour Noël, ils ont fait des coffres, du papier cadeau. Voilà, c'était là. Petite parenthèse. Bon, là, go, on remonte. On va aller revoir nos abeilles chéries. Et voilà. Oh, nos chères abeilles. Allez, go, c'est parti. Donc, déjà installer une table. Voilà, donc on a enfin notre cisaille. On va pouvoir récupérer le miel. Puis, ne nous attaquez pas. Non. Oh non. Mais elles sont hyper nombreuses en plus. Ouais, je vais être mal quand. Oh, il y a encore une ruche. Oh là là, il y a plein de ruches. C'est bon, les abeilles me poursuivent plus. Je vais pouvoir récupérer les rayons de miel. Oh là là, là j'ai vraiment cru que j'allais mourir parce qu'en fait c'est pas mon spawn principal, donc si je meurs, bah je me refais tout. Oui, enfin on a des rayons de miel. Wow, eh ben, sacrée aventure écoutez. Hein. Donc je sais pas s'il reste encore des abeilles dedans, mais bon. Donc du coup on va maintenant attirer les abeilles. Ah elles sont hyper nombreuses, mais elles sont toutes parties de leur ruche du coup. Est-ce que l'autre a été rempli aussi? Enfin l'autre nid. Du coup maintenant on va casser leur nid, on va récupérer, on va créer des ruches. Alors est-ce qu'ils se sont... Ça... Non, j'ai pas l'impression. Ah si. Et si, regardez. Bon, vous êtes prêts, 3, 2, 1. Oui, ici, il y a personne. Ok, ça nous en fait 6. Ça veut dire qu'il y a personne, donc je peux casser. Désolé. Non, mais oui, ils nous ont pas attaqué quand j'ai récupéré le miel. Donc je me disais, il y a personne. Plus ils attaquent longtemps, hein, sérieux. Oh là là. Bon, est-ce que je vais pouvoir récupérer au moins le nid, là? Parce que ça fait joli, quoi. Ah non, je l'ai cassé définitivement. Oh non. Attendez. On peut arranger ça. On va l'attirer comme si son ami là. Venez. On va tous les attirer. Vous voyez, moi j'ai une stratégie avec les abeilles. Tous les attirer dans la même ruche.
Ouais, ils vont faire des petits. Oh yes, yes, ils rentrent dedans. Génial, parfait. Maintenant, on va crafter eh bien, une ruche. C'est parti. Donc voilà, faut des rayons de miel, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Oh, génial, génial. L'aventure avance. Tiens, toi, je te fais aussi une petite maison. Voilà. Bon, on va récupérer des fleurs. On va récupérer aussi le nid qui est là-bas. Enfin, le miel qui est dans le nid là-bas. Et on va faire que des ruches, en fait. Voilà. Alors, je suppose que lui aussi, il est rempli. Hein. Ah, si. Oh là là, non. Oh, je vais faire ça à chaque fois attaquer. Bon, ça va, elle me touche. Mais si elle me touche, je suis mort, en fait, clairement. Voilà, on va faire un max de ruches. 3, ça va largement suffire, à mon avis. Attends, je vais faire un truc hyper risqué. Oh non, en plus, je sais pas dans lequel elle est rentrée. Oh, mais non, elle rentre tous dans celui-là, en fait. Aïe, 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 aïe. On va essayer de récupérer un max de fleurs. En fait, je sais pas du tout comment ça se passe, mais voilà, moi j'essaie d'improviser comme ça. Hein. Donc dites-moi si c'est le bon truc à faire ou pas. Même si je pense pas que c'est le bon truc. Ah, attendez, avant il me faut un lit. Il me faut un lit là. Oh là là, il commence déjà à spawner. Aïe aïe aïe. Allez. Ah, vous voyez, les coffres, c'est des. Waouh, 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 wow, il y a plein de trucs. Bon, les coffres, c'est des papiers cadeaux, comme je vous le disais. Ah, c'est des cadeaux en fait, tout simplement. Oh, ça c'est cool. Regardez. Voilà. On a des patates cuites maintenant. Oh, voilà. Voilà, j'essaie un peu de récupérer tout. Hein. Le lit aussi, c'est très intéressant. Allez, go. On va revenir du coup à nos abeilles. Donc, ouais, non, normalement, même sans les coordonnées, je devrais trouver le chemin. Ah, ça aussi, je vais en récupérer. C'est hyper énervant que ça te pique. Et par contre, c'est bien à manger. Ouais, voilà, donc c'était ici, effectivement. Allez, go. On est enfin arrivé. On va pouvoir passer au moment de vérité. Déjà, on va casser. Bah, on va récupérer le miel. Hein. Et au malheur de ces abeilles, on va leur enlever. Aïe, 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 aïe. On va leur enlever leur nid. Alors déjà que ça va être la pagaille là avec les abeilles. Faut en plus leur enlever leur nid. Oui, yes. Elles sont dans les ruches. Génial. Génial. Allez, go. Donc normalement, elles devront remplir les ruches. On va les entourer de fleurs, hein, vraiment, pour que ce soit bien efficace. Voilà, même là, on va en mettre partout. Hein. Je vais attirer d'autres abeilles sur mes ruches. Voilà, pour avoir plus d'abeilles, plus d'efficacité. Un meilleur business d'apiculteur. Plus de miel. De votre ruche. Ah, mais attendez, peut-être que je peux faire du miel maintenant. Oh, je peux déjà faire des blocs. Blocs de rayons de miel. Ok. Attendez, qu'est-ce qu'on peut crafter? Le but, c'est quand même d'avoir du miel pur à la base. Donc, est-ce que. Ouais. Je peux faire que ça. Donc, on va déjà crafter ça. Hein. Ouais, je sais pas du tout quoi c'est ça, ces blocs pour l'instant. Hein. On va se faire un coffre. On va essayer de faire un gros coffre de cadeaux. Ouais, en papier cadeau, comme vous l'avez vu. Ah, ouais, excellent. Un petit cadeau vert. Voilà. Donc, on va mettre tout ça. Hein. Voilà, nos stocks. Le miel. Ah, c'est précieux ça. Hein. Une porte. J'avais une porte, ok. Bon, on sait maintenant. Hein. On est déjà plus léger là. Hein. On va essayer de se faire une armure. Hein. Enfin, un début d'armure. Ok, déjà. Non, elles m'ont piqué. Vous voyez, c'est du poison. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ok, ça va. Le poison est pas très rapide. Mais quand même, c'est assez embêtant. Est-ce qu'elle continue? Ouais, mais vous voyez, les abeilles, c'est hyper dangereux. Bon, moi, j'ai pu récupérer un peu de miel. Ah, mais bon, à la base, moi, j'ai quand même du miel véritable, là, en fiole. Comment on fait pour avoir ça? Ok, donc, je me suis renseigné, mais je suis quand même paumé. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire, là. Donc, on a ça. Écoutez, on continue pour l'instant notre business d'abeilles. On va faire d'autres ruches. Plus de ruches. Plus de miel. Allez, go. Continue. Ok, faut juste que les abeilles sortent, là. Ce serait bien. Si je pars et que. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'elles vont spawner? Là, je les dérange pas, vous voyez. Et je vais me renseigner un peu comment crafter une fiole de miel. C'est notre but là quand même, notre principal. Bon, en vrai, je sais pas trop là. En tout cas, déjà, on a bien avancé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, vous allez pouvoir me donner des conseils hein, pour la suite. Je vais juste me faire une armure et on va dormir. Et on va s'arrêter là. Non, là, encore des zombies. Je veux pas être méchant, mais elles sont où mes abeilles? Ok, c'est bon. Je suis désolé. Non, en fait, elles bossent pas. C'est des... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire qu'elles sont dedans, mais elles font rien en fait. Bah, c'est ça en plus. Bon, donc en tout cas, voilà. On a bien avancé. On est bien là en vrai, hein, dans l'aventure. Après, bah, je sais pas trop comment faire les fioles de miel. Donc, bah, j'ai besoin de conseils. Hein. J'en ai trouvé d'autres, des pépites. Non, ça va pas suffire. Qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce que j'ai. Voilà, on a le minimum d'armure. C'est déjà bien, écoutez. Donc voilà, là, on a bien avancé dans l'aventure. Je pense que je vais sauvegarder cette aventure. Parce que bah, c'est dur quand même d'arriver jusqu'à là. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des conseils pour les ruches. Voilà. Voilà, notre but là, c'est de faire un business de miel. On va appeler. Notre marque, Honeybee, voilà. C'est une très bonne marque. Non originale surtout. Bref, en tout cas, voilà. On a fini cette vidéo sur les abeilles. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, clairement, là, on a bien avancé. C'était vraiment bien, là. Ouais, on a pu trouver des nids. Voilà, c'est plus dur. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait en premier. Voilà, on a miné. On a trouvé du miel. On peut pas encore le manger, mais ce sera pour bientôt, en tout cas. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une suite, donnez-moi des conseils en commentaire. Passez au pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Salut!